Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera l'ouverture de la Birchbox du mois de novembre. Donc ça y est, j'ai reçu ma Birchbox, donc je l'ai reçue hier le mardi 5 novembre et aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 novembre. Donc petite parenthèse tout de suite avant de commencer la vidéo, si vous me voyez à l'identique que sur les vidéos précédentes, c'est parce que tout simplement, comme je vous le dis toujours, je filme plusieurs vidéos à la fois quand j'ai du temps, quand j'ai un après-midi de libre, une matinée de libre. J'en profite pour tourner, pour avoir du contenu à vous proposer sur ma chaîne. Donc voilà, c'est normal si vous me voyez habillée pareil, tout ça, comme d'habitude. Donc j'ai reçu, comme je vous ai dit, ma Birchbox, je l'ai reçue hier dans ma boîte aux lettres. Et donc elle se présente comme ceci. Voilà ma petite Birchbox. Donc ce mois-ci on est sur le thème beauté givrée. Donc le petit édito, je vais vous le lire rapidement. Les premiers frimas servis dans votre box de novembre au programme effet givré, souffle polaire et lumière d'hiver. Préparez-vous au grand frisson, nous vous avons réservé une sélection d'exceptions. Votre nouvelle combinaison beauté regroupe la couleur des soins cocooning à se tartiner généreusement avant de filer sous le plus doux des plaids. En novembre, votre Birchbox se la joue grand froid et ambiance cosy, parfait pour préparer doucement la plus belle période de l'année. Voilà, donc on a eu le petit catalogue et en plus ils nous ont mis le petit catalogue de Noël. Voilà, donc on a le petit catalogue de Noël, donc avec tous les achats de Noël. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà. Voilà, donc ils ont préparé donc des petits kits sur mesure pour les fêtes de Noël, donc c'est plutôt sympa. Donc là pareil, ils vous ont fait une petite liste, donc ça c'est pas mal, je pense que je le ferai. Voilà, donc en fait ici il faut noter le nom des personnes et si vous avez déjà acheté le cadeau ou si vous l'avez déjà emballé. Et je trouve ça sympa parce que comme vous avez vu, donc je ne sais pas si la vidéo sera postée avant ou après, mais j'ai fait une commande Yves Rocher et j'ai commencé les cadeaux de Noël. Donc je trouve ça sympa pour noter à qui vous avez fait des cadeaux et hop, noter si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez déjà emballé, tout ça. Je trouve ça sympa. Donc cette petite page là, je vais la garder. Voilà. Donc je vous montrerai le petit livret habituel. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, les coffrets de parfums, les coffrets de produits. Donc c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Donc voilà, ici vous avez des idées tuto, des idées coiffure. Voilà. Et ici pareil, donc ça c'est une petite wishlist de Noël à remplir sur ce que vous aimeriez recevoir dans la box, dans la Birchbox, ce que vous espérez pour la planète, ce que vous voulez réaliser cette année, ce que vous souhaitez à vos proches et votre rêve le plus fou. Voilà. Et donc voilà. Et concernant le petit livret, je crois que non, il n'y a rien de spécial. Il y a juste le détail des produits dans le livret, le petit livret de Birchbox, du mois de novembre. Donc voilà, donc concernant la box, donc on est sur une petite box en carton comme ceci qui se lève de couleur blanche et bleu nuit, bleu marine avec un peu des feuilles givrées, on a un peu la pression. Voilà, l'arrière, voilà, ça se présente comme ça. Et quand on ouvre la box, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est top. Donc vous avez déjà un petit carton
avec 25 euros offerts dès 80 euros d'achat. Je vous mets le petit code si au cas où ça vous intéresse. Voilà, je vous mets le petit code. Et on va commencer tout de suite avec les produits. Donc le premier produit, c'est un soin Moroccanoil Light. Donc c'est un soin pour les cheveux qui répare, hydrate, démêle et fait briller. C'est à l'huile d'argan hydratante et nourrissante, des acides gras, vitamine E, des antioxydants, n'alourdit pas les cheveux fins et convient aux cheveux clairs. Donc on a une miniature de 10 ml, mais la miniature de 100 ml est au prix de 40,80€ en prix abonné, mais en prix hors abonné, elle est à 48€. Voilà, donc ce petit soin-là, je l'ai déjà eu. Donc là, ça fait deux fois que je reçois des produits, déjà des produits que j'ai reçus dans d'autres box. Donc j'espère que ça ne se reproduira pas trop, parce que bon... voilà, si c'est pour payer pour recevoir des produits que j'ai déjà reçus, c'est pas la peine. Donc bon, c'est pas trop grave. Bon, le mois dernier, le lait pour le corps, bon voilà, je l'ai utilisé, c'est sympa. Le petit soin là, bon, je vais l'utiliser, je vais faire un bar d'huile sur mes cheveux, mais voilà. Je pense que si ça se reproduit trop, j'enverrai un message au service client pour préciser que ça fait deux fois que je reçois des produits que j'ai déjà reçus auparavant. Mais en tout cas, oui, je me souviens que ça sentait très très bon. Je crois que c'était très très nourrissant. Vraiment, c'était très sympa. Voilà, donc bon. C'est un petit soin pour les cheveux. Je vais l'utiliser. Voilà. C'était sympa. J'avais bien aimé ce produit-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu une huile purifiante démaquillante de la marque Akan. Démaquille le visage, les yeux et les lèvres en abattement de cils, labellisé bio et éco-certifié. Donc c'est 3 en 1, hydratant, nettoyant, purifiant. C'est à la pomme, méga 3 et 6. Et c'est à l'huile végétale de tournesol biologique. Donc on a une miniature de 20 ml et le format vente de 150 ml est au prix de 16,58€ au lieu de 19,50€. Voilà, donc une petite huile. Donc ça, c'est sympa. Voilà, je vais l'utiliser. Une petite huile purifiante démaquillante. C'est top. Ça sent très 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 bon. Ça me fait un peu penser à l'odeur du lait pour le corps Victoria's Secret que je vous ai présenté dans mes produits terminés. Ah oui. Ouais, ça sent super bon, super bon. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, très contente, voilà, je vais l'utiliser. Donc je valide. Ensuite, j'ai eu le masque revitalisant nuit polaire de la marque Polar. Lisse, régénère et relaxe les peaux stressées et dévitalisées. 96% d'ingrédients d'origine naturelle, dont des algues boréales, garantie un teint éclatant au petit matin. Donc le format, donc on a un format miniature de 25 ml et le format vente de 50 ml est à 31,37€ au lieu de 36,90€. Donc c'est vegan et cruelty free. Voilà, donc c'est un petit masque de nuit. Comme ceci, donc la marque Polar, j'aime beaucoup. J'avais déjà reçu une crème hydratante, un soin contour des yeux. Là j'ai encore des produits à utiliser en ce moment. J'utilise une gelée hydratante le matin. Comme crème de jour. Et vraiment Polar, voilà, on en entend beaucoup parler. C'est une bonne marque et voilà, c'est une bonne marque mais pas donnée. Donc ça a l'air de sentir bon. Je salis le tube à travers le packaging. Donc écoutez, on testera. Voilà. Ensuite, j'ai eu, donc ça on pouvait le choisir, donc on avait deux teintes à utiliser. Donc c'est une ombre à paupières liquide de la marque Bloomy. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Regard lumineux.
subtile touche de couleur nacrée et de brillance. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous disent. Donc, excusez-moi, je reviens tout de suite, j'ai mon chien qui aboie. Voilà, je reviens, j'avais mon chien qui aboyait, qui voulait sortir. Donc, je vous disais, donc on avait eu deux teintes différentes à choisir ce mois-ci. Une un peu plus claire et une un peu plus foncée. Donc, c'est une ombre à paupières liquide. Donc, ils nous disent pas grand-chose. Hein. Voilà, donc c'est regard lumineux, voilà, subtile touche de couleur nacrée de brillance. Facile à doser, voilà, même pour les débutantes, il faut appliquer au doigt par de légers tapotements sur la paupière. On peut aussi le porter seul, que accompagné, voilà. Donc, c'est un format vente et un format miniature. Donc, ça coûte 10,11€ au lieu de 11,90€. Donc, on pouvait choisir la teinte High C Nude ou Chercheuse d'or, voilà. Donc, vous aviez deux teintes. Donc, moi, j'avais pris de la Icy Nude. Voilà. Donc, ça se présente comme ça, comme un tube de gouache. Donc, je vais vous faire un petit swatch rapidement pour voir ce que ça donne. Alors, ça m'a, ouais, ça m'a l'air assez foncé. Oui, c'est très très joli. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que la luminosité là, le temps n'est pas terrible terrible. J'espère que vous voyez. Ah voilà. Voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment très 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 lumineux, très nacré, franchement très très joli. Donc écoutez, la couleur est pas mal, donc on a un peu de mal à l'enlever. Je vais prendre une lingette. Où sont mes lingettes? Elles sont là. Voilà, donc la couleur a l'air très très jolie, donc après voilà, à tester, à voir ce que ça donne. Voilà. C'est juste que la lingette que j'ai prise n'était, elle était plus très très humide, donc j'avais du mal à l'enlever. Donc bon, écoutez, à tester. Voilà, bon après c'est une petite ombre à paupières, voilà. Voilà, donc ça on l'avait tous dans nos box. Fallait juste choisir sa petite teinte. Donc moi c'est la High C Nude. Donc nude, moi j'appelle pas ça très très nude quand même. Hein, après à voir ce que ça donne sur la paupière, tout ça. Mais voilà, puis après le temps n'est pas terrible non plus. Donc niveau luminosité, c'est pas top top. Là vraiment le ciel on voit qu'il est, il est tout gris. Vraiment je pense que la drage va vite retomber. Aujourd'hui, le temps est vraiment catastrophique dans le nord de la France. Voilà, ce midi, il pleuvait à verse. Là, je pense que ça n'a pas tardé à retomber. Donc, voilà. Et enfin, le dernier produit que j'ai eu, pareil, on l'avait tous dans nos box, c'est une mousse de douche de chez Rituals. C'est la gamme Ritual of Ayurveda. Donc, c'est la rouge. Voilà, donc la petite mousse de douche. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Mousse de douche riche et onctueuse. Huile d'amande douce et de rose ardienne. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Donc ça, c'est un format miniature de 50 ml. Et le format vente de 200 ml est à 7,23€ au lieu de 8,50€. Voilà. Donc très contente parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de produits Rituals. Donc comme vous avez vu dans les produits terminés, j'ai fini le gommage et la mousse de douche de la gamme blanche. J'ai eu la gamme verte
en cadeau par mes copines. J'ai d'ailleurs la bougie que je fais brûler tous les soirs. J'ai plus cette petite brume, cette petite mousse de la gamme rouge. J'ai également trouvé un bon plan sur internet. Pareil, j'ai pu commander un échantillon de la crème pour les mains de la gamme. Ouh, je bafouille. De la gamme verte, donc je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Voilà, parce qu'en plus Rituals, j'aime beaucoup. Et cette gamme-ci, je l'aime beaucoup, ça sent très, très bon. Donc voilà, vraiment très, 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 très contente. Donc ça, c'est pareil, je valide. Donc voilà pour la Birchbox. Donc dans l'ensemble, je suis satisfaite. Hein, voilà, c'est des produits que je vais utiliser. Donc il n'y a que le soin. Voilà, j'ai déjà eu en cadeau. J'ai déjà eu en cadeau. Je l'ai déjà eu dans une précédente box. Mais voilà, sinon, voilà, c'était un bon produit. Hein, j'ai pas eu d'avis négatif. L'huile démaquillante, bon, ça, je vais utiliser. Le masque de nuit, je vais utiliser. L'ombre liquide, voilà, à tester. Ou pourquoi pas l'utiliser en highlighter. À tester aussi. Et puis, bah, la mousse de douche, bien évidemment. Donc, dans l'ensemble, je suis très, très contente. Donc également on a eu un petit spoiler de ce qu'on allait avoir dans la Birchbox du mois de décembre. Donc apparemment on aurait un produit bénéfique. Donc je vous le dis si vous avez envie de vous abonner. On va avoir donc le best-seller de bénéfique. Donc pour moi ça serait le Gimme Bro. Donc ça serait le mascara pour moi sourcil parce que c'est vraiment le premier produit qui m'est venu en tête. Donc on verra bien. Donc voilà, donc apparemment ça serait une petite pochette comme ça. Donc comme tous les ans, on a toujours une petite pochette en général. Et puis apparemment, on aurait voilà, un petit produit bénéfique. Donc moi, pour moi, ça serait le Gimme Bro, le mascara sourcil. Je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ça serait ça. Donc écoutez, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qui vous passe par la tête. Et puis, si vous avez envie de vous abonner pour avoir cette box de Noël et avoir ce produit bénéfique, je vous mets le lien de mon lien de parrainage en barre d'infos. Le lien Birchbox, mon lien de parrainage. Voilà, comme d'habitude, je vous le dis, ça vous permet de vous rapporter 10 euros à dépenser sur l'eShop et 10 euros pour moi. Donc, admettons, voilà, vous avez 10 euros, bah, vous pouvez vous acheter, admettons, une mousse de douche Rituals ou des produits Merci Andy. Ou, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup de marques chez Birchbox. Et donc voilà, donc ça vous permet de vous rapporter 10 euros. Et moi avec, donc c'est un abonnement qui est sans engagement. Vous pouvez très bien vous abonner pour le mois de décembre et vous désabonner dès que vous avez reçu votre box pour vous stopper là. Voilà, c'est vraiment un... Voilà, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Donc voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, je voulais vous présenter un petit cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part d'une de mes amies qui est venue cette semaine chez moi. Et qui m'a offert un petit cadeau d'anniversaire. Donc j'étais très très contente. Donc elle m'a offert un petit coffret comme ceci. Voilà, donc je vais vous montrer. C'est de la marque Adopt. Voilà. Donc le petit coffret. Donc je vais l'ouvrir hors caméra pour le bruit du papier. Et voilà, je reviens pour vous montrer les produits. C'est déballé. Donc dans le coffret, on avait en premier une petite eau de parfum en 30 ml de la marque Adopt. Donc c'est le Yumi Candy. Donc comme ceci. Donc Adopt, je ne connais pas du tout cette marque. Il y a juste quelques années, j'avais acheté un parfum pour ma mère à la violette. Mais sinon, j'ai jamais testé moi-même Voilà, j'ai jamais testé les produits Adopt. C'est vrai que les petits parfums comme ça, on en entend beaucoup parler. Apparemment, il y aurait des dupes. D'un parfum, voilà, il y aurait des dupes. Celui-ci, je ne sais pas si c'est un dupe. Je vais regarder sur internet et je vous mettrai une petite annotation. On ne sait jamais, je ne sais pas du tout. Donc, je l'ai pchité. Et j'aime beaucoup l'odeur. Alors, par contre, c'est une odeur, voilà, faut attendre que ça sèche parce que sur le coup, c'est quand même une odeur assez forte. Donc voilà, il sent très très bon. Mais franchement, je ne saurais pas vous dire c'est à base de quoi. Je ne sais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien de noté. Donc je ne sais pas. Donc écoutez, je vais essayer de regarder sur internet. Là, parce que je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas par hasard si vous savez si ça a dupe ou peut-être pas.
Dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, je suis très très contente. Hein. Voilà, ma copine me dit je t'ai pris ça parce que je sais que tu adores les produits de beauté. Je dis ah oui, oui. Tu as tapé dans le mille. Donc, il y avait la petite eau de toilette et il y avait également un petit liqueur parfumé en 200 ml. Beurre de mangue et huile de pépin de raisin. Ah, bah c'est de la même marque. C'est la même gamme, le Yummy Candy. Donc là, ils disent que c'est à base de beurre de mangue et d'huile de pépin de raisin. Voilà. Donc c'est un format de 200 ml. Alors ça m'a l'air d'être très très nourrissant ce truc-là. Ouais, ça m'a l'air très nourrissant. Ça sent pas mauvais, mais par contre, je trouve que ça n'a pas la même odeur que le parfum. Donc après, bah, à voir sur le corps. Mais voilà, en tout cas, voilà, très très contente du petit cadeau. Voilà, ça fait toujours plaisir, mais voilà. Je sais pas, j'arrive pas à tester sur le corps pour voir si c'est la même odeur, mais bon, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, très très contente de ces petits cadeaux. Je la remercie beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, donc je voulais vous le présenter dans cette petite vidéo. Comme ça, c'est fait. Puis bon, comme d'habitude, vous retrouverez mon avis hein, dans les produits terminés quand j'aurai utilisé le lait pour le corps et le parfum. Donc voilà pour la présentation de cette Birchbox et pour le tournage de mes vidéos. Voilà. J'arrête pour cet après-midi. Voilà, c'était vidéo tournage complet. Là, c'est la dernière que je tourne. Je ne sais pas dans quel sens je vais les tourner, mais en tout cas, c'était ma dernière pour moi aujourd'hui. Donc voilà. Donc très contente. J'ai plus qu'à ranger tout mon bazar. Et donc voilà. Donc comme je vous dis pour les produits, pareil, je vous en reparlerai dans les produits terminés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. En commentaire sur la Birchbox, voilà, si vous avez reçu votre Birchbox, ce que vous avez reçu ou s'il y a des produits que vous connaissez, quel est votre avis dessus, n'hésitez pas à me dire tout ça. Dites-moi également si vous allez craquer sur la box du mois de décembre pour avoir le petit produit bénéfique. Donc dites-moi ça, et comme je vous dis, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage, comme ça me permet d'avoir 10 € et vous avec. Donc n'hésitez pas, je vous le mets. Je vous rappelle que c'est une box à 14,90 € où vous avez 5 produits à l'intérieur. Donc en plus le mois prochain, en plus voilà, dans les 5 produits, vous avez un produit bénéfique et vous avez une petite trousse au lieu d'une box en carton. Donc pour presque 15 €, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. J'aimerais beaucoup atteindre les 100 abonnés pour Noël. Ça me ferait très très plaisir, ça sera un très très beau cadeau de Noël. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé l'ouverture de cette box. Et puis à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos de ma chaîne. Et comme d'habitude, à vous abonner à mon Instagram pour avoir les avant-premières de la chaîne. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut !